Salut à tous et à toutes, c'est Fruit Ninja et mes amis, aujourd'hui on se retrouve enfin sur un petit gameplay de Black Ops. Donc je dis vite fait ce que c'est le gameplay. Alors le score de ce gameplay ne sera pas phénoménal, hein, ce sera pas extraordinaire, mais c'était juste ma première partie sur la map Hazard du map pack. Et pour ma première partie, bah, j'étais assez satisfait. J'avais débloqué toutes mes séries, machin, enfin vous allez voir, mais je vais pas parler du gameplay parce que, comme souvent d'ailleurs, comme beaucoup de vidéos, je dois parler de certaines choses, donc voilà. Alors première chose, vous saviez tous, je l'ai déjà dit aussi beaucoup de fois ça, que j'avais déménagé, que j'ai déménagé, et que je savais pas avoir l'internet tout de suite. Donc en fait c'était même pas là le problème, l'internet je l'avais eu samedi passé. Mais le problème c'est que mon petit PC pourri, la petite netbook de merde là, qui est plus là, ben il ne savait pas se connecter au mode. Ah bon, là, je vais trop vite moi. Alors on avait reçu, le technicien était venu et nous avait installé en fait un modem. Modem qui permettait de ne plus avoir le routeur, donc le routeur, on l'a acheté. Et en fait ça permettait d'avoir une meilleure connexion. En fait si vous voulez, j'avais, normalement j'ai une connexion à 30 mégabytes par seconde. Et avec le routeur on avait que 17. Par contre le upload je devais avoir 1.5 et là j'avais 1.2. Bon ça c'est pas trop grave. Et avec le modem tout le monde savait se connecter, mon beau-père, la Xbox, même mon portable, même le netbook de mon frère sauf le mien. Il y avait un problème, c'était connexion limitée ou inexistante alors que le signal était excellent. Donc pas moyen de me connecter à internet. Donc moi je commençais à désespérer, je me disais je pouvais rien faire, pas de vidéo, j'avais formaté mon PC, j'ai tout perdu les amis. Et voilà, je commençais franchement à désespérer. Ça faisait une semaine que j'avais plus fait de vidéo. Enfin voilà, donc je me suis dit, allez Max, au pire, bah tu vas prendre un PC moins bon. Et tu t'en rachèteras un de toute façon dans le futur, ça te suffira quand même pour les vidéos HD et tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai vendu mon PC à un magasin, on me l'a repris 80 euros, un truc comme ça, ouais c'est 80 euros, et j'avais sur moi un total de 460 et quelques euros, un truc comme ça, et mes parents m'ont avancé un petit peu. Alors je suis arrivé au magasin en ayant en tête d'acheter un PC à 500 euros, alors qu'à la base je voulais acheter un PC processeur i5 et j'allais redescendre à processeur i3. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu dans l'informatique savent de quoi je parle. Et donc je suis arrivé dans le magasin et j'ai été voir les PC. Évidemment c'est le meilleur magasin, MediaMarkt. Bon pour les Belges, vous savez ce que c'est. Franchement c'est vraiment de très bonnes soldes. Oui parce que c'est le mois des soldes. Et donc voilà, j'ai été regarder les PC. Et là je suis tombé sur mon PC 500 euros, processeur i5. Je me dis putain de merde Max, bah n'hésite pas à acheter ce PC putain. Le 500 euros le processeur i5 alors que tu voulais un processeur i3. Bon, 500 gigas du disque dur. Bon, moi perso, les gigas il me fallait pas énormément. Je suis pas un bouffeur de films qui télécharge des films, machin, tout ça. Et puis, même, on peut quand même racheter pour finir un disque dur externe. Donc voilà. Et 4 gigas de RAM. Bon, ça c'est ce que je comptais prendre de toute façon. Écran LCD LED HD, écran 15.6 pouces, là je sais pas comment on dit. Donc l'écran est quand même assez grand. La carte graphique c'est une ATI Mobility Radeon HD 5470 là, graphique 512 MB. Enfin voilà, mais la carte graphique c'est pas non plus, je dois pas avoir une super puissante quoi. Donc voilà. Voilà, carte graphique sert pour les jeux et tout ça, mais bon, je suis sûr qu'il sait déjà faire quand même tourner pas mal de jeux, hein, mais bon. Minecraft, ça c'est sûr, parce qu'avant je pouvais pas jouer à Minecraft sans faire bugger, donc attendez-vous à peut-être avoir des vidéos de Minecraft. Aussi, une meilleure qualité, donc vous verrez une amélioration normalement, parce que je peux mettre tout au maximum, plus jamais de bugs, même pour la série Kingdom Hearts, vous verrez nettement mieux, enfin vous verrez une qualité supérieure. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots, ça fait un petit temps d'ailleurs que j'ai pu commenter, donc vous verrez une meilleure qualité. Voilà, l'HDPVR, bah je compte toujours essayer de l'avoir pour le mois d'août, ça c'est sûr. Et voilà, hein, que dire de plus, vous êtes bien tenu au courant.
Voilà, donc le PC, mon but c'était d'essayer d'avoir quand même un assez bon processeur au niveau de mes moyens, quoi. Donc voilà, j'ai un processeur i5, il va très bien, il rame pas du tout, il est rapide. Quand je regarde des vidéos HD, il a une très très bonne qualité. Voilà, il surchauffe pas vite, c'est vraiment un très bon PC, je suis bien content. Et la marque, pour ceux qui veulent savoir, c'est un Packard Bell. Un Packard Bell EasyNote TM, voilà. Donc voilà, très belle sole. Merci MediaMarkt. Et voilà. Donc bon bah je peux plus vraiment dire grand chose sur le gameplay. Hein, donc pour ceux qui ont suivi le gameplay et m'ont écouté en même temps, bah bravo, parce que moi perso, quand je parle, je regarde même pas le gameplay. J'arrive pas à me concentrer sur le gameplay en même temps que je parle. Donc voilà. J'étais avec mon cher ami Blackfire, hein, un membre de la team. Donc petite dédicace à toi, même si t'es en vacances. Donc voilà, la partie est finie les amis, c'était un 22-5, pas terrible, mais c'était ma première partie sur Hazard. Donc voilà les amis, donc je reprends les vidéos, je suis super content de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Donc voilà, allez sur ce les amis, vous le savez bien, prenez soin de vous et portez-vous bien, allez ciao ciao tout le monde.